mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça aurait pu aller mieux. Voilà. En fait, aujourd'hui, je vais vous relater des faits, sinon un fait qui s'est produit quand j'étais en première année de droit. Faut savoir en fait que c'est un événement qui n'était pas censé être connu de tous. Pas que j'en avais honte. En fait, si, j'en avais honte. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part de cette histoire en fait. Parce qu'elle a un grand rapport avec une personne que je connaissais depuis 4 ans. C'était un ami, c'était un frère. On est un groupe d'amis en fait. Ça fait des années qu'on se côtoie. Et y en a un qui est parti en fait. J'ai perdu mon ami. Mon ami est décédé le dimanche 15 juillet à Abidjan. Il vivait à Bordeaux. Aujourd'hui, on est le vendredi 20 juillet. Mon ami est parti, ça fait 5 jours. Et vous allez comprendre en fait pourquoi c'est important pour moi de faire cette story time en fait. Donc, comme je le disais, ça s'est passé quand j'étais en première année de droit. Faut savoir que moi, de base, le droit et moi, ça fait 15 pour ceux qui me connaissent. Et j'ai fait ma première année de droit. Non, j'ai pas envie de dire le nom de l'école en fait. J'ai pas envie de leur faire de la publicité. Parce que personnellement, je ne parle pas pour les autres, mais moi personnellement, cette école ne m'a rien apporté. Bon, quoique elle m'a apporté les amis que j'ai aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est grâce à cette école que je les ai connus tous. Rien que pour cela, je vais dire le nom. C'est l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, en parenthèse. Passons. Et il faut savoir que quand j'étais en première année de droit, je me faisais beaucoup chier. Donc, une fois, j'ai dit à une amie à l'époque avec qui je parlais en fait, parce qu'on n'est plus en contact. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et je lui ai dit comme ça, vas-y viens, on va manger de la chiqué à la Palmeraie, pour ceux qui connaissent. Non, je sais pas si c'était à la Palmeraie. Où il y a l'école Jean Piaget là. Je sais pas si ça l'arrivera. Où ça l'arrivera, mais c'est au carrefour de la 2. Ouais, au carrefour de la Riviera 2. Donc, on s'est croisés à Upougon. On est parti là-bas. On a mangé. Et pas loin, il y avait le village Kiyi, en fait. Ils ne connaissent pas le village Kiyi. Le village Kiyi, en fait, c'est pas un village, littéralement parlant, on va dire. C'est un endroit, si vous voulez, c'est une grande cour où il y a des maisons. Mais dans cette cour-là, la majorité des personnes pratiquent de l'art, que ce soit le chant, la danse ou le théâtre. Elle m'a dit, tu connais le village Kiyi? Je dis, oui, de nom. Elle m'a dit, mais c'est pas loin. Je dis, comme je suis un éternel curieux, j'ai dit, vas-y, viens, on part voir. Je veux voir, en fait. Donc, on est passé devant le village qui... On passait juste devant, on n'était pas censé rentrer là-dedans, en fait. Elle devait juste me montrer l'emplacement, vu qu'on n'avait rien à faire. On avait fini de manger, puis voilà. On voulait se promener un peu. On passait devant et ils avaient collé une affiche. Africa Island Talent. Africa Island Talent. C'était un concours de chant qui réunissait plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y avait les castings se sont faits à Abidjan, à Ouagadougou, à Dakar, enfin dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest en fait. Donc, moi je dis à ma copine, mais attends, je veux aller chanter, je veux passer le casting, j'ai envie de représenter la Côte d'Ivoire, vocalement parlant. Donc ma copine me dit, tu es sérieux? Je n'ai pas dit que tu aimes ta musique. Je lui ai dit non. Je veux chanter. Les autres ont quoi dans leur gorge que moi j'ai pas? Je peux faire. Non, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, je me prenais vraiment pour un chanteur professionnel en fait. Je pensais trop que j'étais une star de la chanson. Je pensais trop que j'avais toutes les chances de percer dans la musique en fait. Même si je partais à l'école, j'aimais partir à l'école. Mais je me disais que j'avais un don. Je savais pas en fait que mon don c'était peut-être faire de la radio ou faire de la comédie. Pour moi, c'était la chanson. Donc, il faut savoir que moi, à Abidjan, dans la maison de ma maman, ma chambre donne sur la terrasse. Ma chambre est sur la terrasse. Donc, ma douche donne aussi sur la terrasse. Et vous savez, comme tout bon chanteur amateur nul qui se respecte, on adore chanter dans la douche. Donc, quand je suis dans la douche, c'est Whitney Houston que tu veux voir. And I... I will always love you.
C'est Céline Dion que tu veux voir. Je me mentirai pour que tu me retiennes. Je me ferai nommer pour que le feu reprenne. Chantait tout le temps en tout lieu. Une fois ma maman n'a pu supporter, elle m'a appelé dans sa chambre. Elle m'a dit Kevin, viens. Avec un ton, tu sais, quand ta maman t'appelle, quand tu sais que soit t'avais pu réprimander ou bien. Non, j'avais peur, mais elle faut t'asseoir. Je me suis assis, elle me dit. Tu sais que tu es mon enfant, non? Je dis oui. Tu sais que t'es mon fils aîné? Je dis oui. Elle dit mes chansons là, faut laisser. Chansons là, Kevin, faut laisser. Tu sais pas faire, c'est pas pour toi. Tu sais pas chanter. Et c'est ta maman, je te dis. Faut voir, tu vas laisser. Parce que tu nous emmerdes. Ich, tu nous emmerdes. Je n'ai pas écouté ma maman. Revenons à quand j'étais devant le village qui. Non, je dis à ma copine, vas-y, je suis sérieux, rentrons. Ma copine dit, tu es sérieux, je dis, suis-moi. Ah. Donc, on rentre. Je dis, oui, bonjour, vous me connaissez, spontané et tout. Sans aucune pression. Hein. Vous aussi, Maria Carey, quoi. J'avais fait ma carte étudiante, je leur ai donné, c'était valable, voilà. Et mon collier numéro, ici, boum. Et je devais patienter, je devais attendre mon tour, en fait. Et on te demande quelles sont les deux chansons que tu veux chanter. Parce que tu devais chanter, on devait chanter une chanson typiquement africaine et puis une chanson occidentale, on va dire. Vous me connaissez, vous connaissez ma culture pour le patrimoine musical français. Je dis, moi, je veux chanter Edith Piaf, l'accordéoniste. C'est une structure française qui organisait donc toute la prod, tous les gens de la production, c'était que des blancs en fait. Sauf les jurys qui étaient black. Voilà, parce que c'est une émission panafricaine, donc ils ont pris des gens qui s'y connaissent en matière de musique, mais des Africains quoi. Logique. Parce que tous ceux qui venaient, c'était Céline Dion, vous voyez, enfin, les chansons que tout le monde, même si moi je voulais chanter Piaf, ils s'attendaient à ce que je lui dise La vie en rose. Vous voyez la chanson de Piaf connue là, mais l'accordéoniste, c'est genre vraiment le gars, il écoute Piaf quoi, parce que c'est une chanson de Piaf qui n'est pas très connue par les Africains du moins. Non, je dis oui, l'accordéoniste. Alors que ça demande vraiment un coffre vocal. Il dit ok. Donc quand je suis arrivé sur scène, on dit bonjour. Là, je stressais un peu, j'ai dit oui, bonjour, je m'appelle Kevin Aubin. On dit vous êtes chanteur professionnel. Je dis non, je chante dans ma douche, mais je chante bien. Ils disent, ah bon, apparemment vous avez confiance en vous. Je dis jusqu'à, jusqu'à. On dit chanter monsieur, faut pas me voir. J'ai une certaine bonhomie, mais l'ambiance va vite tourner à la distribution de taloches. Ça lui rend dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vie tardue de la musique. Je l'ai massacré. Ils ont dit il a massacré la chanson. Donc, après moi, je me suis dit ok, vu que j'ai massacré, en mode, le truc ne va jamais passer à la télé, vu que je ne vais pas représenter la Côte d'Ivoire en fait. Donc, personne ne saura que j'ai mal chanté et tout. Non, moi je suis sorti parce que ceux qui t'accompagnent en fait n'ont pas accès à la salle. Il n'y a que les gens de la production et les membres du jury et les cadres, tout ce qui va avec, c'est eux qui sont dans la salle. Donc moi je sors, ma copine me demande c'était comment. J'ai dit Asso, j'ai tué. Asso, j'ai chanté. Il a dit ton ami que tu vois là. S'ils m'ont pas pris, c'est que c'est combine. À lui rendre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vie tardue de la musique. Je l'ai massacré. Elle me dit, hein, que y est, c'est comme un miracle, c'est passé là-bas. Je dis, oui. Une fois, je suis couché, je dormais à 7h du matin. Mon téléphone sonne, je décroche. C'est l'habitude à ma maman. Elle dit, Kevino. Je dis, oui, tata. Elle dit, j'ai demandé. Tu allais faire quoi à la RTI comme ça? Alors que j'étais jamais allé à la RTI, en fait. Je dis, à la RTI. Je dis, non, je suis jamais allé à la RTI. Elle dit, hé, mon neveu. Ce qui vient de passer à la télé tout à l'heure, là. Dis-moi que c'est pas toi. J'ai pensé à tout, sauf au casting, là, je vous jure.
Je connais ta voix, tu as voix de femme. C'est... Je dis tata, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. C'est pas moi. 2 heures de temps après, mon téléphone ressonne. C'est une copine avec qui j'ai fait la terminale. Pas celle qui m'accompagnait, une autre. Elle dit, j'ai dit, j'étais en train de regarder RTU2 matin. C'est quoi tu en as fait comme ça? Je dis, vous là même, vous avez quoi? Je dis, c'est pas moi. Je me suis énervée et tout. Je dis, c'est pas moi. Entends, je sais que c'est moi. C'était pas les vacances étudiantines. Allez. Donc, j'arrive à l'école. Je vois que on me regarde bizarrement. Et puis, j'entends, c'est lui. C'est pas lui. Je dis que c'est lui. Tu es sûr? Oh, c'est lui, ça. Regarde. C'est lui, comme il est mis, c'est lui. Et une fois à 10h, enfin une fois le même jour à 10h, c'était à la récréation. Je marche, je m'en vais acheter une sucrerie à la café. Je vois 2 filles qui sont derrière moi, j'entends. Ça lui rendons la peau par le bas, ah, il a massacré. Je suis devenu tout rouge, je dis c'est pas possible. Toute l'école a vu la vidéo. Ils se partageaient la vidéo dans les WhatsApp en fait. Et l'investigateur, sinon le promoteur, lui qui a le plus partagé la vidéo ou qui s'en est plus moqué, c'est Christian, mon ami qui est décédé. Baz, à l'époque, quand la vidéo est sortie dans toute l'école, on n'était pas amis en fait. Même tous ces gens avec qui je suis ami aujourd'hui, grâce à lui, on n'était pas amis. Et une fois, Christian a créé un groupe WhatsApp, du moins c'était leur groupe WhatsApp à eux, lui et sa bande d'amis. Et ils m'ont ajouté dans le groupe pour se moquer de moi en fait. Pour me... pas pour me rabaisser, c'était rien de méchant. Pas pour me rabaisser parce que mes amis c'est des chiens, vous pouvez le savoir. De la vidéo, mais en l'occurrence je ne me laissais pas faire. Parce que la vidéo était déjà sortie, donc c'est soit je me laissais marcher, là-dessus, soit je ripostais. Et vu que j'ai un fort caractère, je me laissais pas faire. Donc, je les ai insultés, mais je les ai pas ratés. Donc, ils ont vu que... ils ont dit, attends, le gars là, on dirait qu'il est chic, hein. Il a une grande gueule. Du moins, ça les a plu, en fait. Donc, c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter dans l'école, à l'UQAO. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à être véritablement amis. Et on a commencé à vivre plein de trucs ensemble. On a vécu le concert de Stromae. Mon anniversaire, l'anniversaire de Christian, l'anniversaire de Molly, l'anniversaire de Muriel, l'anniversaire d'India, je suis venu à la maison, on a mangé du chèvre, l'anniversaire de Lydia, l'anniversaire de Casson, l'anniversaire de Florian, mais l'anniversaire de Florian, il n'y avait pas tout le monde. Hey, wesh, je suis en train de vous expliquer, ma vie avec mes amis, wesh. Rémi aimait les roses, il aimait Damso, il aimait Cristiano Ronaldo, il aimait le Real de Madrid. En fait, cette vidéo là, c'est juste une vidéo hommage pour lui. Vu que c'est lui qui a créé ma chaîne YouTube et mon compte AdSense, je pense que c'est un peu la moindre des choses en fait. Je la lui devais. Genre, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Timeless, t'es éternel. Et je t'ai dit, comme je te l'ai dit sur Facebook, genre, t'es devenu un ange, tu dois prendre soin de nous tous. Juste le temps qu'on te rejoigne. Parce que crois-moi, un jour ou l'autre, on va te rejoindre. Et ça va être le feu! Ça va être le feu! J'espère que la vidéo vous aura plu, du moins, je sais que la vidéo a plu à Christian, donc je ne lui demande même pas, mais vous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous massivement à ma chaîne, parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Parce qu'en fait, on était censé avoir ensemble plein d'abonnés sur ma chaîne,
Et on se serait partagé le bénéfice avec lui, vu que il voulait être mon manager. Bon. Mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est grave ou pas. Mais abonnez-vous massivement à ma chaîne, partagez ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Comme ça, dès que je passe une vidéo, vous allez le savoir.